Good morgen, allez, il y a une étude aujourd'hui, le Nishma David Bedfortno, Mazel Fritna, Dora Bat Esther, Lucienne Bat Raina et Eliaou Vanish. Si vous souhaitez aussi des d'une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Nedarim, Perikvav, Mishnah Hei, Anoder Minachalav, Mutar Bakum, Verabi Yossi, Oser, Minakum, Mutar Bechalav. Abba Shaul Omer, Anoder Minagevina, Asur, Ba Ben Melucha, Ben Tefela. Toujours même principe depuis le début du chapitre, quand on interdit une chose, une espèce, qu'est-ce qu'on inclut dans l'espèce, selon la règle, c'est ce que les gens appellent comme cette espèce, en l'occurrence. Avec un nouveau cas, maintenant c'est Anoder Minachalav, quelqu'un qui fait le neder de ne plus consommer de produits laitiers. Non, je rectifie, de ne plus boire de lait. Le lait va devenir interdit pour moi. Est-ce qu'il a le droit de prendre le koum? Le koum, c'est le. Je ne sais pas si c'est exactement le petit lait, il y a plusieurs niveaux du petit lait. C'est le petit lait, vous savez, quand on laisse le. Quand on veut. Essentiellement, quand on veut faire du fromage, on va laisser le lait. On va mettre la prisette dans le lait. Et puis la matière lactée, elle va tomber. Il va rester en haut de l'eau. Cette eau-là, ça s'appelle le koum. Je pense que c'est ça le petit lait. Seulement dans la Gemara, on parle qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le lait qui est blanc comme de l'eau, il y en a un. Il y a plutôt transparent comme de l'eau, il y en a un qui est plus blanc. Ça, c'est le koum en tout cas, on va appeler ça le petit lait, mais ça me dérange aussi d'utiliser le terme petit lait, parce que le petit lait, quand on dit le mot petit lait en français, on entend le mot lait. Alors imaginez que s'il y a un autre nom, on n'entend pas le mot lait. Donc du coup, on a ici une problématique nette. Tu t'interdis le lait, est-ce que ce liquide qui finalement est extrait du lait, il s'appelle aussi du lait, et la Michel me dit, ben, il a le droit de le prendre, et Rabbi Yossi Ozer, et Rabbi Yossi, il l'interdit, parce que finalement, c'est une partie intégrale du lait. C'est comme si je te dis, tu t'interdis la viande, et tu vas vouloir te manger une boulette. C'est pas vrai, parce que la boulette, c'est de la viande elle-même, c'est de la... D'accord? C'est le même principe. Ça, c'est pour la première, c'est-à-dire que donc, il s'interdit le lait, est-ce qu'il a le droit de prendre le koum? Ce petit lait, marloquette, entre Rabbi Yossi et Chachamim. Par contre, si c'est le contraire, un odeur minakoum, je viens de plus boire du koum, ce petit lait, l'eau là, eh bien, moutar bechalav, il aura le droit de boire du lait. Même si concrètement, le lait il est composé de lactose et de je ne sais pas quoi, qui va être mélangé à ce petit lait qui va fabriquer le lait. Mais aujourd'hui, on appelle ça le produit final du lait, on n'appelle pas ça du petit lait mélangé avec du lait. Ok? Abba Shaul Omer, Abba Shaul nous apprend encore une autre. Halacha, anoder mina gvina, celui qui fait le neder, de ne pas manger de gvina, de fromage. Apparemment, à l'époque, le fromage, c'était surtout salé. Essentiellement. Le chidouche d'Abba Shaul, il est de me dire que malgré tout, Asur ba ben melucha ben tfela, il n'aura pas le droit de manger ni des fromages salés, et ni des fromages qui ne sont pas salés. Tafel, en général, tafel, par opposition au malouar, c'est quelque chose qui est fade, qui n'a pas eu de sel. Et donc le chidouche d'Abba Shaul, même s'il s'interdit hagvina, je ne vais plus manger du fromage, mais pas du fromage avec le. Je ne vais plus manger le fromage. Quand on dit le fromage, alors on entend plus ce que les gens qualifient de fromage. En général, les gens ils mangent toujours le fromage plus salé. Et bien malgré tout, on va dire non, tu t'interdis même non, tout ce qui va être apparenté au fromage. Même s'il est en moitié de. Il n'a pas encore fini d'être préparé. Ouais, imaginez, vous interdisez du fromage blanc, vous pouvez le prendre. C'est un peu le même problème. Quand les gens parlent de fromage, on fait un repas de fromage, on ne va pas amener du fromage blanc à table. C'est du yaourt, le fromage blanc, c'est quoi exactement? C'est le. Ben non, ben, malgré tout, c'est interdit aussi, parce que finalement, ça rentre tout ça dans le cadre du fromage. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.